Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est docteur Mispéré de la Guerre. Nous déjà connaissons depuis que là, c'est que c'est un thème important sur la médecine que nous voulons parler. Je tiens à vous parler nous, de anémie. Qui est anémie? Anémie, c'est une maladie dans le sang ou bien appauvrissement sang qui est caractérisé par une diminution de globules rouges qui peut empêcher l'oxygène d'aller dans toute partie dans le corps. Nous avons 30 gens qui font la médecine aujourd'hui pour nous capable de comprendre qui s'est passé. Le plus souvent, pile moun toujours dit comme ça que et manger a c'est en grosso modo que li passe la tout organe dans corps nou yo. Non, c'est pas comme ça li. Manger a passé en pile processus pour que le capable arriver aller porter vitamine ou bien ça corps a besoin passant. Et bien c'est ça hein, que corps pral bomber qui pral faire tout organe dans corps nou capable joindre oxygène avec glucose. Si toutefois organe ça ou pas joindre Samson Dio là, malheureusement, il a mouri. De ce fait, comment on va considérer que un monde anémie? Pour famio, yo ta supposé gagner 12 grammes par décilitre de sang la caillou. Pour monsieur yo, yo ta supposé gagner 13 ou bien 13.5 grammes par décilitre de sang la caillou. Si toutefois moun sa gagne pipiti que Samson Dio là, li anémie. À exception de ti moun piti avec femme enceinte qui gagne niveau pa yo différent. Pour femme enceinte là, li ka gagne 10.5, 11, 11.5. Mais depuis que li pi bas que ça yo, malheureusement moun nan anémie. Gagne plusieurs types d'anémie. Gagne anémie côté que c'est en carence en vitamine, gagne anémie côté que c'est et système digestif moun nan qui malheureusement pas ka absorber vitamine avec minéral que corps a besoin. Gagne anémie qui causée par une maladie chronique, gagne l'autre catégorie côté que globule rouge là pral mourir avant l'aile, etc. Jodi ya nous décidé parler de anémie ferriprive qui c'est en carence en fer. De ce fait nous parlons qui ça anémie ferriprive là. Anémie ferriprive là j'ai comme dit déjà, c'est en carence en fer que corps a gagné. Il est capable de et classifier en léger, modéré, sévère. Nous parlons de qui ça qui a causé que un monde gagne anémie ferriprive là. Première cause là c'est que moun nan manje qui pa gen fer la dan. Nous pa jwenn nan sa nan ka végétarien yo, certes yo mange en pile feuilles, mais malheureusement yo pa manje viande rouge, œufs etc. qui fait ou ka gen carence en fer. Deuxièmement c'est que nous pa jwenn on mal absorption nan système digestif moun nan. Nous pa jwenn troisième cause nous qui sont perte de sang, soit par hémorragie, nous pa jwenn nan ka moun nan fait accident, nan ka que moun nan bay sang nan elle qui c'est pistasis. Nan ka ke moun nan ba yon hémorragie interne, ça veut dire que li gen problème nan système digestif li ki fait la poupou avec sang ou bien moun sa ou kan vomi sans tout. Nou pa jwenn sa tout nan moun ki a regle yo. Nou pa parler de règle normale toi, c'est juste normal parler de lait que règle a dépassé plus jour que d'habitude et li vini en quantité que li pa konn habitude vini. Ça li vini causer moun nan yon hémorragie, yon perte de fer. Nou pa jwenn cause la toujours c'est les moun nan enceinte. Nous connaissons que moun nan pote un bébé ou bien plusieurs bébés corps a vinn mande le plus. Nous voyons mito nan ti moun qui gagne de 6 mois à 4 ans corps a mande plus faire peut de carité en énergie peut de carité et peut de grandir bien. Nous voyons une dernière cause nous tous c'est que moun nan gagne un cancer dans système digestif li ou bien moun nan gagne yon maladie nan rein quelconque. Qui ça on capable sentir qui pral faire dit que li anémie. Moun sa ou toujours fatigué, n'importe quel mouvement yo fait yo bouke. Moun sa ou toujours gen senti essoufflement, yo senti yo tout di, yo gen tèt viré, yo gen tèt fait mal, moun sa senti le faible, dire ti li pas à l'aise en soi. Moun sa ou kan gen diminution de performance intellectuelle, yo ça veut dire yo manque concentration, yo manque intérêt, yo gen perte mémoire, malheureusement c'est parce que yo pa gen assez d'oxygène ou bien yo pa gen vitamine que ko a besoin. Nous pas jeune encore moun sa ou kan gen meyo avec pied yo ki fait en pile, yo kan gen douleur dans poitrine, yo kan gen palpitation, ça veut dire que moun nan senti cœur a sorti et a sorti a tellement le bas de forme, c'est tout normal parce que cœur a pas une quantité sang pour le voir dans tout corps qui fait le prix d'une batterie fort, il vient travailler plus qui pral permettre que nous sentir palpitation. Moun sa konn gen difficulté pour respirer avec un pile l'autre bagaille toujours que on senti la caillou qui kan faire moun nan di ah moi gagne moi senti moi manquer sang moi anémie. Ki jan yon moun capable faire connait ou bien capable diagnostiquer que li anémie.
À partir des symptômes qui sont dit là, je vais aller à l'hôpital. Le médecin a fait une histoire clinique complète pour lui. Il va demander à quel âge il a joué, et s'il souffre d'une maladie chronique, et si, comment il a été formé dernièrement, si il s'est venu en pile, combien de jours il a duré, est-ce que mon enceinte, s'il va connaître tout, il va faire un examen, etc. Il va faire un examen sanguin, plus précisément hémogramme, qui va prouver le niveau globule rouge que mon enfant a la caille. À partir de cela, il va voir si mon enfant a anémie ou pas. Les bras vont faire examen coprologique, tout ça veut dire que examen coupou, les bras vont s'il va gagner sang qui sorti dans voie digestive. Li, yo quand voyez mon ça va faire tout endoscopie, peut-être qu'à visualiser voie digestive supérieure, yo quand ça quand voyez faire tout colonoscopie, peut-être qu'à visualiser voie digestive inférieure mon ça yo. Qui est-ce qu'on va traiter anémie? Premièrement, on va chercher cause qui causait mon nage anémie. Deuxièmement, je prends le bain mon nan fer. Je prends le bain mon nan pilule et sulfate ferreux. Je prends le bain mon nan tout nan injection intraveineuse. Quand ça trouve si cas grave, je prends le bain mon nan transfusion. Transfusion, c'est que je prends mon nan sang. Troisième magala, c'est bain mon nan manger qui gagne fer là-haut. C'est ça le plus important. Nous avons des légumes, surtout légumes feuilles vertes. Nous avons des fruits, nous avons des fruits secs, nous avons des fruits de mer, nous avons des viande rouge qui est riche en fer. Nous avons toujours jaunes œufs, pois, chocolat, etc. Nous avons déjà en Haïti qui mangeait les nouvelles mounes qui sentaient bien pour combattre l'anémie. De ce fait, pas négliger manger bien et manger en qualité. Quelles complications que tu as les gens qui souffrent d'anémie pendant plusieurs temps? Premièrement, c'est un problème cardiaque. Les gens ont un problème dans le cœur parce que le cœur a fait trop de travail, chercher sang pour pomper, bah, tout le corps fait trop de travail. Deuxièmement, si la fille est enceinte, le plus souvent, elle fait couche prématurée. Et les petits gens fait tout petit cause de ne pas gagner fer qui pour aider le grandir, qui pour avoir l'énergie. Troisièmement, dans le cas de mon petit, il y a un problème dans la croissance. Il empêche tout le monde de grandir bien parce que tout le monde est toujours malade, tout le monde n'a pas gagné d'énergie, etc. De ce fait, je conseille tout le monde de prendre son tête tout, prendre son tête petit tout et éviter d'arriver dans un stade grave d'anémie, cette fois ou d'anémie. Manger un pile manger qui est naturel, prendre un pile jus naturel, prendre un pile de l'eau, faire un pile exercice physique, pas jamais oublier ça. Ciao!